retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat que j'ai effectuée sur le site Live and Love Craft Limited. Voilà, il me vient donc d'Angleterre. On va l'ouvrir ensemble. Alors je suis abonnée à leur page Facebook. Ils font toujours des très très jolies cartes. Enfin, je trouve ça très joli. Et donc j'ai trouvé des embellissements, honnêtement, que je n'ai pas trouvé ailleurs. En tout cas, moi, j'ai pas su les trouver ailleurs. Donc je les ai pris là-bas. Et je crois que c'est venu en 4 jours. Donc je trouve que c'est plutôt rapide. Voilà, emballé dans du papier craft. Je vais garder. Je vais certainement en faire quelque chose. Hop. Alors, dans une boîte. Voilà. Ça. Oh ben, c'est ma facture avec un petit cadeau. Des petites boules givrées. Je trouve ça très sympa. Alors c'est vraiment là une commande ciblée sur les articles de Noël. Donc bah, ça ira très bien dans le thème. Hop. Voilà. Je me suis pris des petits bouquets comme ça. Il y a des petites billes qui s'en vont, mais voilà. Je l'ai pris en blanc. J'ai pris des petites étoiles anis. Des étoiles d'anis. Voilà. J'ai pris des mini pommes de pin. Je les trouvais très mignonnes. Alors, j'ai pris des petits œillets comme ça. J'ai trouvé super beau. Je les ai pris en blanc. Alors, j'ai pris de l'eau de blanc. Attendez, je ne sais plus. Il faut que je regarde ma facture. Je crois que c'est ça. J'ai pris... Oui. Non. Oui, de l'eau de blanc. Non, trois lots de blanc. Ouais, trois lots de blanc. Et j'ai pris un lot de rose... rose et blanc. Ils sont très mignons, j'aime bien. Hop là. Alors, là. J'ai pris des petites roses blanches comme ça. C'est très joli. Ah, c'est ça, c'est sympa aussi. Des petites roses comme ça, roses avec un fond violet un petit peu, sont superbes. J'ai pris un lot de bleu. Ensuite, j'ai pris de la dentelle. Je la trouvais très jolie sur leur site. Alors, qu'est-ce que ça donne? Elle est sympa. Ouais, moi j'aime beaucoup. Voilà, il y en a à mettre. Voilà. J'ai pris de la chaînette comme ça avec des perles. Et moi je cherchais vraiment de la perle très fine. Et voilà, je trouve que voilà. Je pense qu'elle doit faire 1 ou 2 mm la perle. Peut-être 3, je sais pas. Mais voilà, je trouve que c'est très très sympa. Il y en a beaucoup de la grosse. Et là, j'ai trouvé enfin. Voilà. Alors ça, c'est pareil, j'ai dû en prendre un peu plus. Oui, j'ai dû en prendre 2 quantités. Donc oui, j'ai dû prendre 2 mètres. Voilà. Ensuite, alors, j'ai trouvé des petites attaches comme ça. Pardon. Ah non, alors j'en ai pris 2 pour les albums, pour un futur album. Donc voilà. Il va falloir les faire parce que alors, ouais, ça coince un peu. Ça va se faire. Ouais, ça y est. Donc voilà, donc ça j'en ai pris 2.
j'ai pris des petits grelots comme ça, vieillis. Je trouve très sympa pour mettre sur des cartes. Alors ça, j'ai dû en prendre, oui, j'ai tout ça en petite breloque. Je sais plus combien j'ai dû en prendre. Oui, j'ai dû en prendre deux. J'ai pris des petites cloches comme ça. Voilà. Des petites cloches. J'ai pris les petits grelots en couleur comme ça, vieillis, enfin rouille. Les petites cloches rouille aussi. Ensuite, j'ai trouvé ces petites étoiles là, je trouve qu'elles sont super sympas. Pareil, couleur rouille. J'ai pris ces petits flocons. Alors, toujours de couleur rouille. Alors moi, rouille et bronze, je trouve que c'est très... Ça fait très vintage, j'aime bien. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et voilà, donc voilà, j'ai tout ça en petit embellissement. Je trouve ça très, très sympa. Ouais, encore des petits flocons. Donc voilà, voilà pour ma petite commande pour comment live and craft. Donc là pour ma commande j'en ai eu pour 33 livres, je crois que c'est 35-36 euros. Voilà, bon, moi je suis contente de ma commande, c'est rapide et je suis pas déçue. Notamment sur les petites fleurs, j'avais un petit peu peur quelquefois, même si on fait nos commandes avec une règle, on peut être surpris. En fait, non, elles sont pas trop petites, elles sont pas trop grosses, elles sont vraiment sympas. Pour mettre sur de la carterie, moi je trouve que c'est la taille idéale. Donc là-dessus, je suis pas déçue. Là, faut voir comment je vais l'utiliser parce que les petites boules commencent déjà à partir. Je sais pas trop. Bon, j'ai voulu prendre ça pour tester. Faut que je vois ce que ça donne. Là, j'ai mis une petite réserve sur ce produit-là. Et sinon, tout le reste, vraiment, vraiment très sympa. Bon. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye.